Hey Ismaël, comment allez-vous mes chers Minimilo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez, le post groupe coréen Seventeen est revenu sous sa manteau avec un tout nouvel album, enfin plutôt un full album qui recense toutes leurs chansons depuis leur début de carrière, mais nous avons droit à 4 titres inédits, dont celui-ci. Je vous mettrai déjà mes réactions des deux titres précédents. Sur leur chaîne YouTube, il y avait Maestro qui était tout simplement une chanson avec tous les membres et un autre titre où on avait la sous-unité rap. Et ici, je vais réagir tout simplement à leur titre à Spell et la sous-unité à Performance. Là, en tout cas, je vois 4 cartes de tarot. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Vous m'entendez, j'ai envie de te dire, générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le dimanche 19 mai et il est 5h41 du matin. Je n'ai pas trop le choix de filmer ça avant de partir au travail. Oui, je travaille ce week-end et je fais le matin. Je me fais une capture d'écran de mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'espère que vous avez passé relativement un bon week-end. Moi, mon week-end, c'est pas waouh, j'ai des grosses douleurs partout. Mes insomnies sont crescendo. La nuit dernière, je n'ai pas dormi du tout. Donc, hier au boulot, ça a été difficile à assumer. Cette nuit, si j'ai dormi 2 heures, c'est énorme. J'en ai vraiment marre de ces insomnies. J'ai beau en prendre des cachets pour le sommeil à base de plantes, ça ne fonctionne pas. Pas, à mon avis, je carbure trop là, hein, je sais pas, mais c'est vrai que je suis de nouveau dans un mood pas extra de nouveau ces derniers temps. En tout cas, j'espère que votre week-end, comme je vous l'ai dit, s'est bien passé et que vous allez passer aussi un bon lundi parce qu'on a un long week-end, comme demain, c'est un jour férié également. Pour une fois, je ne travaille pas ce jour férié. D'habitude, je fais toujours les gros blocs, mais là, non. Alors, pour le retour de Seventeen, franchement, moi, j'ai adoré Maestro. J'arrête pas de me l'écouter en boucle, ce titre, surtout la chorégraphie. Quand je vois les gens qui y arrivent avec ce jeu de jambes, je me dis, moi, j'y arriverai jamais. Je pense que je m'entremêlerai mes jambes et je me casserai la lécure et la gueule par terre. Mais voilà, pour ce MV, je n'ai pas regardé de teaser parce que j'avais pas envie de me spoiler et je n'ai pas écouté moi les chansons encore de l'album, en tout cas les 4 chansons inédites parce que j'avais pas envie de me spoiler en visualisant et surtout en réagissant à ces vidéos. Allez, c'est parti, let's go. J'ai hyper mal au dos en plus ici. On est un peu en mode divination. J'ai beaucoup baillé parce que j'ai crevé. J'aime bien le fait qu'ils font vraiment ça sous forme de tarot. Parce que ces 4 cartes représentent sûrement. Oh, c'est joli ça. Wow, c'est beau. C'est très doux. Ok. C'est très doux comme chanson. On monte les éléments aussi. Avec ce bateau derrière. Le décor est somptueux, je trouve.
Wow. T'as l'impression de voir un livre d'aventure, des chapitres qui se dépendent devant toi. C'est juste magnifique. Je voudrais qu'ils disent une formule magique là. Vous avez vu derrière, il avait deux mains, une forme de cœur, et même une sorte d'aile d'ange. Waouh, ça c'est du visuel. Alors ça c'est du visuel, j'ai un giga gros coup de cœur pour ce titre, mais surtout pour l'esthétique de Vinvi. On voit que les quatre membres représentent vraiment chacun les cartes de tarot qui symbolisent respectivement Apollon, il me semble. Il y avait aussi les ailes, il y avait un cœur et il y avait aussi les flèches. Elles sont juste magnifique. D'ailleurs, à un moment donné, on voit que les quatre cartes s'étalent et elles sont vraiment dans une belle posture. Elles sont juste vraiment magnifiques. On a vraiment une chanson qui dépeint vraiment un sentiment que chacun, dans un côté, comment dire, sensuel, peut être connu même sans rien dire. Donc, tu as une personne devant toi, elle peut être tellement mais hypnotisante et sensuelle que tu ressens ce sentiment et que tu n'as pas besoin de connaître cette personne pour le ressentir. On a comme une sorte de sort d'amour, comme s'ils voulaient t'hypnotiser, te prendre dans leur filet. Surtout à travers les paroles du refrain, quand il disait une sorte de formule magique, Adila, Kia, je sais pas quoi là. On a aussi cette atmosphère qui est hyper fantastique du clip, qui met vraiment en avant tout le reste. À chaque plan était bien peaufiné, était bien travaillé. Rien que même juste cette barre avec des vieilles bougies toutes brûlées dans cette grotte, ou alors avec ce bateau et cette barre qui montrait cette corde attachée à un amas. Enfin, puis toute cette pluie, ces contrastes de couleurs. Voilà, on a vraiment un titre waouh. Et surtout ce visuel, on en parle. Je sais pas quoi dire de plus. Je perds mes fils de pensée, je suis tellement fatiguée et je suis douloureuse de partout, donc je suis vraiment désolée. J'ai l'impression d'être une vieille bique. J'ai l'impression que mes vidéos en ce moment elles ressemblent à rien du tout. Peut-être parce que je suis dans un mauvais mood aussi. Donc d'un côté j'en suis désolée pour vous, et d'un côté non, parce que je préfère juste faire comme d'habitude dans l'instant T, et de pas être une fausse personne et de vous montrer le vrai moi, ce que je fais depuis le début de cette chaîne. Donc voilà, ça casse ou ça passe, et puis si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis, voilà, soit. Et vous mes chers mini-milo, n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout comment vous avez particulièrement apprécié le titre, mais surtout l'univers fantastique présenté par la sous-unité performance de Seventeen, et surtout tous ces décors. Enfin, c'était sublissime, vraiment sublissime. Moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas aussi à également me dire vos conclusions, vos analyses. Je suis preneuse, peut-être que je comprendrai mieux. Sur ce, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.